Donc là, c'est l'intégralité du port plus 200 mètres dans le chenal. Et c'est 8000 mètres cubes qui sont extraits. C'est la capacité de stockage du bassin à terre de Titoun. Parce que les matériaux sont ramenés dans un site dédié. C'est des travaux qui se font en eau et à sec. Donc en eau, quand la marée le permet, donc avec une pelle sur ponton flottant qui ramène les matériaux à quai. Et à sec, lorsque la marée ne le permet pas, voilà, la pelle se positionne à un endroit dans le port et elle charge des barges qui sont récupérées par une pelle sur le quai.